Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite continuer notre progression dans le jeu pour essayer de libérer ou plutôt de réparer Terrako. Alors, nous n'allons pas faire ça. Qu'est-ce que ça fait? Esprit d'équipe des Gorons. Ça ne m'intéresse pas. la grande fée des plaines. Ah, une grande fée. Allez. Est-ce qu'on y va avec Sidon? Allez, on y va avec Sidon. C'est une grande fée, on débloque des trucs qui sont importants pour réparer Terrako. Et potentiellement, vu qu'on aura fait toutes les fées, on pourra peut-être débloquer la fée. Je ne sais pas si c'est un personnage jouable. Je ne me suis pas spoilé. Ça se joue entre Terrako et la fée, hein, concrètement. Parce que je pense pas qu'ils rajoutent 4. Enfin, il y en a 5. Soit ils en rajoutent 1. Soit ils en rajoutent 5. Par rapport à ce que j'ai. Parce qu'il y avait 3. Il y a 4 lignes, je crois. Et il manque un slot. Et du coup, vu qu'ils vont probablement rajouter des. Enfin, dans les DLC, ils le disent. Ils vont rajouter des personnages. Je sais pas combien, mais au moins une ligne. Du coup, s'ils rajoutent là la fée. Enfin, bref, ça va être un peu. Je sais pas trop. En tout cas, en personnage jouable qu'ils vont pouvoir rajouter, c'est probablement la fée, Supa, et probablement dans les méchants, hein, genre peut-être Astor. Ça, c'est possible qu'ils le fassent, qu'on puisse jouer les méchants à un moment, parce que dans le premier, ils l'ont fait. Alors, Moblin de feu. On va essayer de le battre. Aïe. Alors là, vu qu'il n'y a plus trop de cinématiques, le jeu n'est pas forcément à son plus intéressant. Mais on joue aussi au jeu pour tuer du monstre. Et c'est pour cela que je n'en fais pas autant que quand le jeu est sorti en novembre. Hein, déjà, ça commence à faire pas mal de temps, puisque nous sommes en avril. Ce qui fait un bon moment qu'on est sur le jeu. Mais du coup, voilà, il y a moins de. J'en fais moins. Un épisode par semaine. Histoire de continuer à jouer un peu au jeu. Et puis voilà. Non, je voulais pas faire ça. Je me suis trompé de vous. Mais tout ça pour dire que on jouera probablement au jeu tout le long de l'année encore. Surtout s'il y a les DLC qui arrivent. Je pense qu'on les prendra. Et on testera le jeu toujours avec un rythme assez faible. Mais histoire de ne pas s'enlacer trop vite, quoi. Vous voyez. On peut à présent avancer. Oui, la fée, elle veut les rubis. Ok, rendez-vous au point de destination. C'est a priori là en bas qu'on a une destination, on essaie d'y aller. Oh non, il y a une. Il y a un inox. Et une Elinox. Ok. Bien, allons-y. C'est comme ça qu'on fait sinon, tout à fait. Ta-da-da-da. Et puis par contre, le 3, hein, ça arrive vachement vite. Parce que c'est en juin. Et nous sommes en avril, donc il y a mai et il y a juin. Derrière, mi-juin. Mais c'est vraiment dans 2 mois. Le 3, c'est dans 2 mois. Il y en aura un cette année, contrairement à l'année dernière. Et cette fois, Nintendo y participe, on a la confirmation. Et du coup, on va avoir probablement un direct, ou vu que ça va... Vu que ça fait partie de l'E3 virtuel, vu que c'est un E3 virtuel, est-ce qu'ils vont faire les annonces pendant, je sais pas, un stream de l'E3 ou ils vont quand même faire un Nintendo Direct de leur côté, ou ça va être un Nintendo Direct dans l'E3, je sais pas trop comment ça se déroule. Mais bref, Nintendo communiquera pendant l'E3, est-ce qu'on va avoir des démos peut-être en téléchargement accessible via l'E3, un événement gratuit? Donc ce serait trop ouf qu'on ait des... Tout simplement des... Une démo gratuite de Breath of the Wild 2 par exemple. Ce serait incroyable, grâce à l'E3. Bon, faut pas s'enflammer, hein, mais c'est une possibilité. Déjà, faudrait qu'il parle de Breath of the Wild pendant l'E3, ce qui est fort probable. Notre ami, qui n'est pas notre ami, mais qui est notre Saint Graal, un petit peu, des fans de Zelda, Monsieur Aonuma, hein, qui nous a dit, lorsqu'ils ont annoncé Skyward Sword HD, et ça, tout le monde est au courant, puisque c'est presque devenu un mème, hein. Bonjour, tous ceux qui m'ont vu pensent enfin on va avoir du Zelda, ce qu'on a tous pensé. On a eu du Zelda, c'était du Skyward Sword HD, mais on voulait du Breath of the Wild, la suite.
Et ce n'est pas du tout le cas, on n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de news, mais on a eu une mini news finalement. La news comme quoi on aurait des news cette année. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ça vient de source officielle en Nintendo Direct, Monsieur Aonuma, qui nous a dit je ferai. Enfin, il y a probablement des annonces plus tard dans l'année. C'est ce qui est prévu. Et comme, vu qu'ils annoncent qu'ils font un E3, j'ose espérer que c'est à cette occasion-là qu'ils présenteront Breath of the Wild 2 plus en détail. Notamment, alors pas forcément avec une date de sortie, mais un peu plus. Au moins une année. Genre, soit fin 2021. Mais là, ça serait le feu. Soit 2022, ce qui est beaucoup plus probable. Mais paf. Enfin, il y a, on va dire, 10% de chances que ça sorte cette année et 90% en fin d'année. En 2022. 85, allez. 10%, 85% et 5% plus tard encore, mais. Honnêtement, j'y crois pas. Hein. Il est annoncé en 2019 quand même. Hein. 2022. Ça fait 3 ans de développement. En plus du temps passé sur Breath of the Wild, ils ont, enfin, ça fait 10 ans de développement finalement, parce que le développement de Breath of the Wild, il va forcément influencer sur le développement de Breath of the Wild 2. Et donc, il y a quand même du développement dans le jeu. Donc, il y a quand même en 3 ans de plus par rapport à Breath of the Wild, en plus de la période 2018 où ils ont pu quand même un petit peu développer en faisant des DLC, tout ce qui est de la recherche, approfondissement de gameplay et autres, bah, c'est un peu mis de côté puisque c'était déjà fait pendant la phase de DLC. Je pense que en 3 ans, il y a quand même vachement de taf. C'est la moitié du développement de Breath of the Wild. Il y a quand même vachement de taf qui peut être accompli. Donc 2022, surtout si ça sort fin d'année 2022, ça fait plus de 3 ans et demi. Je pense qu'on a largement de quoi que ça sorte en 2022. Mais si ça sort même avant, ça pourrait hein, sortir fin d'année là, mais c'est peu probable avec le Covid et autres. Donc faut pas non plus s'y attendre. Mais ça pourrait. Bravo, ça pourrait. Mais c'est pas certain. Il y a un petit brin d'espoir en moi qui me dit oui. Mais ça sera très probablement en 2022. Quand bien même en 2022, eh bien on aura des infos cette année. Et des infos cette année, c'est des infos croustillantes. Un nouveau trailer, très probablement, mais plus qu'un trailer. Là, on sera bien avancé dans le développement. Je pense qu'on pourra même avoir des images de gameplay. Si c'est vraiment un E3 axé sur Breath of the Wild 2, comme il l'avait fait avec Breath of the Wild finalement en 2016, eh bien c'était le feu tout simplement. C'est probable qu'il nous fasse un E3 full de Breath of the Wild 2 ou full année de Zelda. Peut-être qu'il n'y aura pas que du Breath of the Wild 2, mais vu que c'est l'année de Zelda, l'anniversaire plutôt de Zelda, eh bien c'est probable qu'on ait beaucoup d'annonces Zelda, un trailer de rappel. Avec, comment ça s'appelle, Skyward Sword HD, mais juste en rappel, peut-être avec une nouveauté surprise, mais bon, ça aussi j'y crois moyen. Et puis bref, cette 3, ce serait cool, ce serait vachement cool qu'on ait des annonces Skyward Sword HD à l'E3 dans 2 mois finalement, pas Skyward Sword HD, Breath of the Wild 2, pardon. Déjà un titre, en vrai. Qu'on arrête de l'appeler Breath of the Wild 2, mais qu'on puisse commencer à l'appeler par son vrai nom. Je sais pas comment ça va être, hein. On ne sait pas. Genre, on ne sait pas comment ça pourrait s'appeler. mais bon, plus que la suite de Breath of the Wild, quoi. Voyez. Parce que c'est un petit peu relou. Et puis, que dire? Voilà, des infos. On veut des news, du gameplay, ce serait bien d'avoir du gameplay, des infos sur la map, un petit peu la transition, comment ça va se passer. Parce que moi ce que j'aimerais bien, c'est que dans Breath of the Wild 2, on puisse reprendre un peu la sauvegarde de Breath of the Wild. Mais bon, c'est peu probable, parce que après on perd un peu la progression. Mais ce serait incroyable, qu'on reprenne la progression de là où on était sur la sauvegarde Breath of the Wild. Et que derrière, la progression finalement elle se fasse encore plus difficilement, puisque on est ultra pété et du coup les ennemis sont super forts parce que nous on est déjà ultra forts. Finalement une escalade de puissance, mais grâce à notre sauvegarde qu'on a sur Breath of the Wild. Parce qu'évidemment, faites Breath of the Wild 1 avant de faire Breath of the Wild 2. Donc achetez-le. Après pour ceux qui l'auraient sur Wii U, bon bah déjà RIP.
Mais pour ceux qui l'auraient fait sur Wii U, peut-être moyen de transférer la sauvegarde avec le compte Nintendo ou un truc dans le genre. Ou sinon juste rip. Hein. Dans tous les cas, il y aura un moyen de... S'ils font un truc avec une sauvegarde de Breath of the Wild, il y aura forcément un moyen de jouer au jeu sans avoir fait Breath of the Wild avant. Mais ce serait cool qu'il y ait le moyen. Même si c'est un peu gimmick, mais quand bien même. Vous voyez que comment l'épée de légende, on commence forcément avec. Donc il y a plein d'interrogations. Vu qu'on est à la suite, on a tout récupéré, l'épée de légende, la moto, tout en fait. Donc ça serait vrai. Dans Breath of the Wild, qu'est-ce qui va se passer en fait? Dans le 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? Finalement, parce que si on perd tout et qu'on doit tout récupérer, ça perd un petit peu de cohérence au niveau du scénario. Vous voyez, parce que l'épée elle est retournée, oui, mais il faut aller la récupérer. Pourquoi on n'est plus digne maintenant, je sais pas trop, vous voyez. Donc ça, c'est des défis qu'ils vont devoir relever pour rendre le scénario cohérent. Je pense qu'ils y ont pensé. Et j'espère que ça va pas nous déplaire. Parce que faire un reset juste comme ça sera un petit peu la loose, quoi. Juste on reset, il n'y a pas d'explication et on doit re-récupérer la épée de légende, re-récupérer les cœurs. A priori, il n'y aura plus les sanctuaires où ils seront d'une autre manière, mais qu'on commence pas avec full cœur, bah, c'est pas cohérent. Link, il est accompli et tout. Donc moi, c'est ça qui me dérange pour le moment. La transition entre Breath of the Wild et Breath of the Wild 2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que entre Ocarina of Time et Majora's Mask, il s'est passé du temps, c'est pas le même monde. Donc finalement, il n'y a même pas l'épée de légende. Donc ce qui est un reset, ça change pas. Ça me dérange pas, mais... Que dans Breath of the Wild, tu sois à nouveau à poil alors que t'es enfin justement, t'as récupéré tes souvenirs et t'es enfin le Link accompli, ça me dérangerait de qu'on soit bah, à nouveau en slip quoi. Qu'est-ce qu'on a là? 63, on pourrait faire ça, hein. Allez, let's go. Ouais, ça. On va prendre Link et Sidon. Voilà, c'est un petit peu la première appréhension que j'ai au niveau du scénario. Parce que après au niveau du gameplay, au niveau de la carte, je ne me fais pas de soucis. Nous on a déjà plein d'idées pour au niveau de comment améliorer la carte, puisque vu qu'ils récupèrent le même monde, comment faire pour le rendre diversifié et le rendre intéressant à réexplorer, bah déjà on change quelques endroits sur la carte, puisque bah, forcément le monde a évolué en un peu de temps, peut-être que les villes se sont construites. Peut-être que, vous voyez, c'est la suite de Breath of the Wild, mais ça se trouve, c'est passé un an, deux ans entre la fin de Breath of the Wild et le début de Breath of the Wild 2, on ne sait pas non plus, mais si ça se trouve, c'est pas tout de suite après, c'est peut-être juste, voilà, 6 mois, un an après. Quand bien même, on pourrait avoir voilà, des villes qui commenceraient à se reconstruire, comme on l'a fait un petit peu dans Breath of the Wild avec, comment il s'appelle, le village des... Non, pas les mythes, le village, mais comment il s'appelle, Tarrytown. Non, c'est pas Tarrytown, c'est... C'est quoi le... Je sais plus. Je sais plus ce que c'est le nom. Alors on va se concentrer un petit peu. Ah, il peut pas y aller lui encore. Ok. Je sais pas comment ça se fait. Mais toujours est-il que... Aïe. Il m'a fait mal lui. Merde, j'ai loupé mon attaque lui. Toujours est-il que ça serait intéressant d'avoir ça. Alors cette transition, de nous expliquer l'évolution qu'il y a dans le monde. On pense aussi aux souterrains, ça c'est évident, ils vont développer les souterrains. Mais peut-être les fonds marins aussi, réexplorer la surface, rendre la surface intéressante à explorer à nouveau. Donc avec des nouvelles quêtes, des PNJ, je pense que les PNJ seront plus présents, même s'il y en a quand même pas mal dans Breath of the Wild original, mais ça se peut qu'il y en ait encore plus. Sidon, Riju et autres. Ça va être quoi leur impact finalement dans le jeu? Mais c'est bizarre que Link puisse pas y aller là. Attendez, je vais changer. Pour le contrôle des avant-postes. Parce qu'on est d'accord. Il y a un problème. J'ai l'impression que... Ah, là c'est un avant-poste, ouais. J'ai bien compris ça, mais... C'est pas ça le problème que j'ai.
fait longtemps qu'on n'a pas joué Link. Bon, pour le moment on a pas de danger. Mais bon, bah, voilà, c'est un petit peu les appréhensions que j'ai. Mais je pense qu'ils vont savoir nous... Bah, voilà, réussir à le faire. Et puis surtout on a... au niveau du gameplay, quels sont les changements qu'il va y avoir au niveau du gameplay? Et la grande question, est-ce que Zelda va être jouable? Est-ce que le jeu va être multijoueur? Bon bah voilà. Hein. Alors quand je dis multijoueur, ça sera toujours un jeu d'aventure solo, mais est-ce qu'on pourra jouer avec un pote finalement à côté qui contrôle Zelda? Ou est-ce que bah, ça reste un jeu solo et Zelda n'est même pas jouable, ou c'est juste un sidekick? Je trouve que ça serait une opportunité manquée, moi, de ne pas inclure Zelda dans le jeu, dans le gameplay, dans le la construction du jeu, parce que une, Zelda est là, dans le trailer elle est vraiment avec nous à explorer, c'est une Zelda pas comme les autres, elle est quand même ultra badass. Sakura, il a beau dire ce qu'il veut, je suis désolé. Voilà, elle sait se battre la petite, même si elle est dans la recherche. Elle sait c'est les Ganon quand même. Donc voilà, ça serait dommage de ne pas l'inclure dans l'histoire, déjà ça c'est obligé, mais ne la mettre que dans l'histoire, ça serait vraiment dommage. Et ça serait possible de l'inclure dans le gameplay autrement. Alors comment? Je ne sais pas. Mais peut-être des missions avec seulement Zelda et seulement Link, mais voilà, l'intérêt. L'intérêt, ce serait qu'on soit bah, ensemble tout le long de l'équipe, quoi, protéger l'avant-poste. Mais oui, mais je sais pas comment j'y vais en fait. Pas l'avant-poste. Il y a un escalier. Ok, on a pris le poste. C'est pas par là. Non, c'est pas par là. Comment j'y vais? Je dois monter quelque part. Non, attends, je suis pas allé au bon endroit là. Ok, c'est juste moi qui suis teubé en fait, je crois. Hein. Ok. Mais ce que je comprenais pas, c'est que je pouvais pas y aller, mais... Ok, je vais dire à Sidon, du coup, de venir. Ça, je pouvais pas cliquer pour qu'il y aille. Maintenant, je peux. Ok, j'étais pas juste au bon étage, et du coup, le jeu a dit non. Génial. Ok. Donc, voilà, c'est ce que j'attends de Breath of the Wild. Après, comment ils vont inclure les donjons? Quelle va être l'histoire? Voilà, on sait qu'avec les théories finalement et le premier trailer, que c'est probablement une résurrection de Ganondorf. Il y a probablement les Zonai qui sont rentrés dans l'histoire, mais comment tout s'emboîte en fait, évidemment. On veut un petit peu plus d'informations. Et bon ben voilà, c'est les questions qu'on se pose. En tout cas que je me pose. En tant que fan assidu. Aïe, t'arrêtes de me tabasser toi. Ok. On va envoyer Sidon. L'avant-poste de l'Est. Ouais, il faut que j'y aille. Hein. Il faut que j'aille à l'avant-poste de l'Est. C'est l'autre. Comment je vais? Non mais putain, mais... C'est full bugué. Attendez, mais... J'en ai marre la caméra là. Arrête de me focus lui. Ok, c'est là-bas. Putain, mais c'est relou. Hein. Et j'y vais à l'avant-poste de l'Est et je peux pas. Il y a trop de monde dans le couloir. Ah, d'accord, il y a du monde. Mais... Il y a de la difficulté en effet. Mais j'y suis maintenant. Ah mais il y a trop de monde. Sidon, retourne-y. Allez, vas-y Link. Pas mal de les éclater un petit peu là. Pam 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 pam.
Est-ce que j'ai des pommes? Ouais, j'ai des pommes. Aïe. Coup point faible sur celui-ci. Ils sont quand même assez tous bas en vie, donc ce serait pas mal de les finir. Ok, nice. J'arrête de me focus celui qui est derrière la porte que je peux pas atteindre quoi. L'avant-poste du sud-est est en difficulté. Ouais mais j'ai compris ça mais... Y'a sinon normalement non. Ah mais il me défonce la gueule hein, les mobiles là. Ok, on va changer. Hop. De quoi je suis capable? Je serai sans pitié. Merci pour les pommes. Sinon il fait quand même vachement de dégâts. Ok. Hors de ma route. Et voilà, j'ai gagné. Ok, celui-là c'est que le monstre il attend bien que j'ai le temps de sortir mon truc. Ok, nice. Allez, sinon. Faut que t'ailles là-bas. Mais il va où lui? Attends, non, on va faire l'inverse. Il y a Sidon d'aller là. Et Link d'aller là-bas. Laisse-moi faire, Link. Ils sont trop nombreux et du coup on va demander à Sidon là. Hein. Ah mais il me saoule là. Il y a trop de monstres. Mais d'où il me tape? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, là c'est un Linel carrément. Ah mais c'est l'avant-poste que je dois récupérer ça. Ok. Allez, je vais pas pouvoir sortir là. Laissez sortir s'il vous plaît. De quoi je suis capable? Je serai sans pitié. Et voilà, j'ai gagné. J'aimerais aller dans mon avant-poste qui est en difficulté. De la classe, ouais, mais là. Ils sont trop nombreux! Ok. Coup de grâce. Mais heureusement qu'on a Sidon par contre. Hein. Parce que la Link. Il fait rien, voilà. Boum! Sorte d'où. Boum. Le coup direct. Le combat dans les couloirs, il fait pas de mal. De race à dégager. On va essayer de prendre
un avant-poste ici. Vous allez voir de quoi je suis capable. Avec le Minel. Avant qu'il y ait les autres qui arrivent. Bon, il a réussi à l'esquiver, je crois pas. Aïe. Ok, le coup de poing faible. Ah, laissez-moi le temps de buter mais. De les buter eux quoi. Ok, nice, on a eu. Ok, la tornade elle fait mal. Hein. Aïe. Ok, j'ai réussi à esquiver, j'ai pas pris trop de dégâts. Le coup du requin il fait mal aussi. Nice. Nice. Très bon ça. Il prend tarif le Linel. Par contre. Je fais deux fois sa taille aussi. Enfin je fais sa taille plutôt. Aïe. Il m'a cassé la gueule là. Tornade, nice. Il a fait très mal là. Ok, là on devrait le tuer. Parfait, il est mort. Je sais pas où est passé Sidon, mais. Est-ce qu'on a récupéré des pommes? Non. Ah, j'ai esquivé pourtant. Se battre dans un couloir, c'est un cancer. Ah. Zut hein. Ah merde, j'ai plus de pommes. D'où l'autre. Il est là. Assez vite. Là il y a quoi là? Ça sent les moblins blancs, ok. Moblins d'argent. Ça m'embête un peu qu'il y en ait autant. On va refaire un. Je serai sans pitié. Et voilà, donc on a quasiment eu. Parfait. Les a terrassés rapidement. Nice. On les a défractés là. En vrai. On est dans le clan des. J'ai pas capté qu'on était dans le. Non, on est dans le château d'Hyrule là. Okay, j'ai cru qu'on était dans le truc des Yiga là, un instant. Alors je vais dire à Sidon d'aller là. Et nous on va essayer de battre le gardien. Ok. Eh ben parfait! Eh bien parfait, ah ça fait un bien fou.
Je pensais pas que le A allait le défoncer aussi vite le gardien, mais faut croire que si. On s'est pas trop mal débrouillé sur celui-ci. Sinon quoi. Sinon. Enfin, l'XP qu'ils ont gagné, boum. Oh non mais... Pourquoi tu voudrais prendre une autre arme en fait? Wait. Bam 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 bam. C'est mieux que l'épée des lentes ça. Ah non. Lulz. Toujours pas. Ok. Très bien. Bang. Okidoki. Bah écoutez, on se sera fait quelques petits combats sympathiques dans cet épisode. On aura discuté Breath of the Wild 2. On se sera un petit peu hypé. Finalement, si je fais un épisode par semaine de Hyrule Warriors et que le 3 c'est dans 2 mois, donc grosso merdo, entre 8 et 10 semaines, on se retrouve dans 10 épisodes et on aura des infos sur Breath of the Wild 2. Ça c'est cool ça. Bah vivement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.